Bonjour à tous, aujourd'hui un petit deck off-meta. Off-meta, bon je sais pas trop, hein. Mineur, sorcier de glace, valkyrie, recrue royale. Bienvenue à toi Coco, donc tu es top 5000 ladder, 4709 trophées. Merci à toi de l'invitation. Bon alors, qu'est-ce que ce deck? Raconte-nous tout. Alors ce deck c'est de ma création, ça fait un an et demi que je joue ce deck. Enfin ça fait que deux saisons que... Je joue cette variante parce que c'était le bûcheron à la place des recrues. Mais comme c'est dur contre les Arctix et les PK de la saison dernière, les recrues me paraissaient plutôt correctes en défense contre ça. Donc on va dire que je me suis adapté, j'ai changé le bûcheron par les recrues royaux. D'accord. Et ça marche. Ça marche du tonnerre. Ouais, t'es venu chercher les decks PK quoi. Après en défense, en vrai, c'est vraiment bien parce que ça permet de. Si jamais il me fait un gros push d'à côté, j'ai juste à défendre, à mettre recrues. Et je peux le counter-push des deux côtés, donc vraiment une carte intéressante à jouer. Ok, bah, j'ai hâte de voir ça, parce que les recrues, évidemment, comme la plupart des personnes qui vont regarder là, je pense que c'est une carte que j'utilise personnellement pas trop. C'est une carte qu'on voit moins, hein, qu'on voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Ouais, donc c'est quoi les cartes qui t'embêtent le plus par rapport aux recrues, par exemple? Tout ce qui est dégâts de zone, sorcière, bébé dragon, valkyrie, bourreau... Bomber. Moi, cette aussi. Saison, elle est, cette méta, elle est dure avec le bourreau et la valkyrie qui sont présents, mais c'est pas impossible de gagner. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de bourreaux, même s'il a une petite portée, du coup, c'est quand même. Ouais, parce que les recrues, elles avancent jamais jusqu'à la tour et il les découpe en un coup. Oui, il les découpe en un coup. Donc, ok, il renvoie directement dessus, toi tu le défends avec la masque. Quand c'est comme ça, du coup, tu cherches à aborder comment le match-up contre Lockbait. J'utilise plutôt l'offensif. Après, je fais des plays un peu bizarres, mais généralement, je garde mon mineur pour une princesse. Comme ça, je peux bleach. Son feu à gauche. Ouais, bien sûr. Là, quand tu l'as mis au milieu, c'était pour aller chercher une TDE? Non, je pensais qu'il allait mettre sa princesse. Ok. Bon là du coup l'Infernal il prendra pas Tesla mais tu grattes quand même bien la princesse. Tu l'utilises beaucoup au pont sur ce deck? Ouais je l'utilise vraiment très offensif. Ok. Donc il def à la Valk. Bah tu grattes bien hein, mine de rien. Là tu vas pouvoir redef ou sorcier de glace ou mousquetaire. Ouais. Pardon, waouh. Ok juste attendre le sorcier de glace. Je sais pas si t'es volontaire de ta part. Non, pas du tout. Moi, j'étais là pour défendre sa valkyrie. J'aurais jamais pré-shot sa princesse. Ok. Ouais, tu défends bien le gang de gobelins. Là, t'attends d'être en x2. Ok. T'attends d'être en x2 pour en mettre les recrues? T'attends quoi pour mettre les recrues en général? Ouais, j'attends le x2. Mais aussi que justement, il est poussé sa valkyrie. D'accord. Donc là, typiquement, elle est sortie, donc tu pars direct, hein. C'est bien ça. Ouais. Tu l'utilises pour tanker, pour mettre des dégâts avec ton mineur. Oh, la princesse, elle va faire mal. Hein. Oh. Tu vas remettre un deuxième coup, là, je pense. T'as pas de dégâts directs, on est d'accord. Hein. Non, j'ai que la princesse. Ou le mineur, mais... Ou le mineur, ouais. Voilà, de l'autre côté, voilà. Attends, il y a un sort dans le deck? Non, il y en a pas, hein. Il y a la bûche. Il y a la bûche, pardon. Oui, c'est ça. T'as pris cher à droite, par contre. Hein. C'est chaud dans ces moments-là. Tu repars agressivement avec ton mineur à droite ou... J'ai mis mon mineur à droite et j'ai forcé avec ma princesse pour finir sa tour, mais il y avait la mousquetaire de l'autre côté qui détruisait son autre tour. Ouais. Dans tous les cas, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Ah ouais, et là, il a raté la Valkyrie, donc tu peux mettre des énormes dégâts, tu peux remettre ta princesse. Et ça passe. Waouh! Ouais, c'est vraiment l'objectif du deck, c'est attaquer de deux côtés en par exemple mettant une mousquetaire d'un côté et l'autre côté accompagné avec un mineur. Ouais, ok, c'est beaucoup de double push alors. Ouais. Ouais, tu utilises la mécanique des recrues quoi pour essayer de mettre un maximum de pression sur les deux côtés et puis forcer les erreurs en face. Yes. On est parti sur le second match? Surtout s'il joue une troupe de zone.
Il ne peut pas tout défendre. Ouais, c'est clair. Sauf s'il arrive à bien kite au milieu, par exemple avec un golem de glace, il peut tout ramener. Il y a des trucs comme ça qui sont possibles aussi. Alors, ici, tu es contre du mousquetaire, mousquetaire du cimetière, quoi. Cimetière, golem de glace, MG. C'est un matchup qui n'est pas forcément évident. Poison, c'est pareil, c'est une carte qui t'embête un peu, non? Ouais, ça m'embête le poison. Là, il va cycler une musque front map, j'imagine. Ah, oui, mais juste poison? Non. Ah ouais, ok. Je peux dire que c'est un play très très bon. Mais... Ouais. Quand c'est comme ça que tu vois qu'il a claqué juste poison, que t'as ta mousquetaire, est-ce que tu l'accompagnes ou tu repars fond de map? Ok, tu pars fond de map. Ça dépend de la situation là, c'était un début de game, je connaissais pas ces cartes. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un risque. Là par contre, tu peux mettre les recrues, elles sont pas mal, hein, je pense. Ah, parce que Mini PK il met qu'un coup, en plus tu vas pouvoir tomber la MG sous la tour. Là ça lui force une pierre tombale défensive. Tu vas pouvoir remettre de la pression avec ton mineur. Si en plus tu vas chercher la mousquetaire, c'est bien. Ouais, la pierre tombale aussi. Ouais. Ça gratte la tour. Ouais, nickel. Quelle ouais, vraiment, la mécanique, ouais, c'est forcer des deux côtés. Ok. Ouais, t'as mis des bons dégâts là, mine de rien. Là, t'as ta princesse, mais tu vas juste cycler genre un sorcier de glace ou un truc comme ça front map, j'imagine. Ouais. Ça te gêne pas d'ailleurs de jouer sorcier de glace sans avoir la tornade? Non, ça me gêne pas. Ok. Après, j'ai la princesse et j'ai la mousquetaire pour finir les troupes. Tu recrues là, non? Yes, ouais, je vois. Là, j'ai à prendre quelques dégâts, mais le contre-pêche, il va être dur à gérer pour lui. Hein. Ouf, il met la masque là-bas. Oh, le tas d'unités que t'as à gauche. Les recrues, tu les trouves plus fortes en x1 ou en x2? Je les trouve plus fortes en x2. Ok. Parce que j'ai plus de troupes j'ai amassé plus de troupes, c'est plus facile à cycle. Ouais, mais je vois. Je peux faire vraiment des gros push en x2. Ok. Wow. Tu laisses pas respirer, hein. C'est incroyable le nombre de princesses pont que tu mets, quand même. Ouais, bah après, ils ont des sorts. Moi, si je gratte pas ma princesse au mineur, honnêtement, je perds la moitié de mes games. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, il a encore son poison. Tu vas aller la chercher avec le mineur. Mine de rien, à droite, ouais, il galère quand même, hein. Ouais. Après, il peut faire golem de glace à mousquetaire, mais sa mousquetaire, je la défends. Mineur. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher avec mineur bûche, hein, j'ai vu à chaque fois. Survie, oui, non. Eh non, il est bûche. Et là, tu peux. Ah, ok, cette fois-ci, il défend avec mini PK. Mais dans tous les cas, c'est un peu toi qui dicte le tempo ici. Hein. À chaque fois, tu l'agresses en permanence et on sent qu'il galère à réussir à partir en contre-push, tu vois. Ouais. Ouais, là il tente, mais du coup tu vas pouvoir faire quoi? Vas-y, pardon. Justement, en fait, je lui fous je lui mets la pression parce que j'attaque des deux côtés. Ouais, tu reprotèges, à gros, je t'ai au mineur. Ouais, cette fois-ci il l'a pas eu, hein. Il a mis la mi-piquée un peu tard. Du coup, tu mets quoi, 3 coups? À droite aussi, tu grattes bien, hein. Ouais. En vrai, le recrue, c'est vraiment une bonne carte, mais elles sont fragiles. Ouais, ça va vraiment dépendre du deck en face. Typiquement, là, c'est vrai qu'il avait pas d'AOE. Il a pas de truc de zone ici, non? Non, il y en a pas. On il sent, a le poison, hein, mais qui galère du délicat, coup. Poison. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que ces mini PK, MG, etc., elles sont pas super efficaces, quoi. Genre du coup tu lui mets de la tempo, des recrues, et puis lui il est en mode ah, j'arrive pas à défendre tout. On est parti sur un peu de partie en live. Il a voulu faire le code couleur. Ouais, c'est ça, il a fait un double code couleur, pardon. Je savais même pas qu'on pouvait faire un double. Ok, pierre tombale, ça peut être cimetière, ça peut être molosse. Ça peut être autre chose, mais généralement c'est quand même plutôt l'un ou l'autre. Ok, c'est molosse. C'est un archétype qui t'embête, ça, non? En vrai, Molo, ça dépend des variantes, s'il joue à flèche, BDF ou... Ouais, ok. Ça dépend.
Il y a les trois dragons aussi, je tombe dessus de temps en temps. Pas pour ça, mais juste un bébé Drake. Qu'est-ce ça? Ah, il y a qu'à mettre quelques dégâts à droite. Hein. Non, le sorcier! Voilà. Défends! Eh, c'est pas mal, hein, mine de rien. Je sais pas si Là, t'es le tout à fait mineur, ouais, il a volontaire. bien gratté la Ouais, touche, le mineur. clairement. Et bien, normalement, il va pas se remettre si cher que ça, parce que le temps qu'il revienne, il va quand même se prendre quelques dégâts de la tour. Là, du coup, il a sa pierre tombale, il a 10 d'Evex, il va sûrement repartir hein, en push. Donc là, tu rebloques à Allez, je vais le droite. bloquer. Tac, il a Sosa, pareil, il va le remettre. Ouais, il a remis. Du coup, ton Infernal, elle va tomber sous les coups de l'AMG. Tu vas devoir recycler. Après, toi, t'as la mousque, justement. T'as le sorcier de glace. À gauche, il part en ballon. Ok, il va pas te faire si mal que ça à gauche, hein, je pense. T'as Oh la la. mousquetaire. Ouais, t'as vu? Elle était bien mise, hein. Elle est en train de... Mais elle est en train de faire un de ses travaux. Elle s'est même retournée mettre un petit coup à droite. Par contre, il faut mettre de la pression à gauche, il n'y a plus de Lex. Hein. Il est qu'à 3 d'Lex. Il va récupérer ses gardes. Il a son zap bientôt également. Mais oh là là, tu l'as protégé. Oh! Mais la value de la mousquetaire! C'est pas vrai! Ouais, la mousquetaire vraiment, elle sauve la game. Oh, elle a défendu le molosse. Elle est allée défendre le ballon. Elle a défendu les squelettes. Elle a redéfendu les roquets. Et elle est allée prendre la tour. Hein. Mais. Genre normal, quoi. Sans souci. Bon, il va zapper là, encore une fois. Ok, boule de feu. Et Je pense qu'il s'attendait à ce que tu remettes les gardes devant, c'est pour ça qu'il a fait ça, je pense, mais tant mieux. Hein. Bon, par contre, là, ça va être dur de défendre ce ballon. ouais, Mais ça va être dur. à gauche, t'as mis pas mal de dégâts à son roi. Hein. Il est plus qu'à 1800, son roi, hein, mine de rien. Ok, il me prend le tour. Ok. Ballon, il va aller connecter un coup. Peut-être deux. Non, un seul. Ok, super. Donc, il def à gauche plutôt B-Dragon, je pense qu'il a raison. Il va garde sur ta mousquetaire? Ah non, ok, il choisit le MG. Oh, à droite. Il est obligé de garde. Il est obligé de garde à droite. Ouais. Il a son zap, mais son zap servira pas à grand chose. Sur ton Infernal, en tout cas, cette fois-ci. Ok, 1800 et 2000 de l'autre côté. Putain, ballon, ballon, ballon. il connecte là. Hein. Ouais. Ah! C'est super mal ça. Bon, il a pas mineur hein, dans son deck, hein, donc il peut pas aller de gratter au mineur. Il peut boule de feu zap. Non, il finit boule de feu zap. Ah, dur. Ça, c'est la mousquetaire, elle était un petit peu trop à droite, malheureusement. Ouais, je pensais elle irait aller chercher le ballon, mais bon, elle l'a fait une fois, elle l'a pas deux, elle l'a pas fait deux fois, bon, c'est Pas pas grave. l'autre mousquetaire, non, elle est pas allée le chercher celle-là. Ok, donc là, mineur offensif, mineur au milieu d'ailleurs. Hein, tu jouerais Eternaut, c'était la même chose. Ensuite, on a du coup mineur, mousquetaire. Ça peut être pas mal de choses. Hein. Ça peut être un deck ballon, ça peut être un chaud sur le cochon. Ok. C'est original ça. Zéro coup. Bon, là, il a tout pour def. Hein. Il est barbare à gauche. Ouf, barbare, ça c'est relou pour toi. Horde aussi. Aïe, Les deux cartes elles sont horribles pour toi parce que t'as que bûche, du coup t'as rien pour ni tuer la horde ni tuer la. Enfin, il faudra princesse là, mais t'as même pas d'élixir. Sorcier de glace peut-être. Ça va être dur. Hein. Puis là, ils se sont split. Bon, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. T'as quand même pris l'avantage en dégâts, hein. Mais il a 4 aïe. d'élixir de Ouais, j'ai plus. fait beaucoup de dégâts, ouais. Je mets beaucoup de dégâts. Ouais, par contre, il a pas mal d'élex, donc à voir ce qu'il décide d'en faire. Pour l'instant, ça va. Là, vous avez autant hein, si tu ignores ça. Ok, nickel. Ignore. Donc il a la horde, hein, il faudra faire attention à gérer. Boule de feu. Okay. T'es devant un Elex, hein, du coup. Ouais, super. Vous avez autant là. Alors que t'as une mousquetaire sur le terrain. Ok, mesque. Je sais pas c'est quoi cette carte. Hein. C'est possible que ce soit un gel, hein, connaissant le filou. Ok. Il va sûrement juste recycler une mousquetaire fond map après. Bien joué, ça, super le bloc.
Il a les barbares aussi, hein, à pas oublier. C'est fortement possible qu'il... Enfin, là, il va pas les poser, mais... Là, il va les poser, par contre, vu qu'il a la masque. Survie! Non, meurs! Oh Non, non, mousquetaire! elle est pas responsable. Ouais, il reste un point de vie. Et du coup, elle te met tellement cher. Gauche, il te met la pression. Pour rappel, on n'a pas vu cette dernière carte, ça peut être un gel. Hein. C'est un zap, ok, c'est un zap. Oh, c'est dur. Parce que là, il va pouvoir redef mousquetaire barbare aussi. Il a 6 d'Elex, il n'y a pas tant que ça. Hein, mais... Ok. Il va sûrement barbare middle. Ouais. Il a récupéré son cochon, il a récupéré son mineur. Allez, coco. Super, ok, il claque la boule de feu. Donc il a cochon et mineur, hein, pour rappel. Il a plus la boule de feu, il a encore son zap. Donc il a son cochon, son zap en main. C'est barbares qui sont revenus. C'est possible qu'il les pose middle ou à gauche. Ok, la horde aussi, c'est vrai. Oh, c'était propre ça, super. Il a toujours le cochon, hein, pour rappel. Oh, ce que tu mets! Oui, le lock de la mousquetaire! Ok, faudra faire des grattages mineurs ou même princesse, d'ailleurs, c'est sympa ça. Bah voilà! Hirashi quitte, il abandonne! Oh. Honnêtement, je te voyais pas la gagner celle-là. Hein. Quand j'ai vu les barbares et la orange, je me suis dit. Ça va être chaud. Ouais, c'est. Ah, ça coûte cher. Ouais, t'es obligé de faire ça. Hein. Et quand je prends deux coups. Ah. Ouais, le coup quand même. Ouais, ça coûte vraiment cher. Parce que là, il va pouvoir la dev tranquille. Il joue apparemment un espèce de 2.6. Soit ça, soit la version avec Bat. Rapide avec Mini PK. Ouais, la version Mini PK, donc séisme, potentiellement. Ce qui est assez Ouais, efficace boule de aussi sur les neige. recrues. Ouais, c'est ça. Qui est bûche. Voilà, dans tous les cas, tes gardes, ils feront la def. Hein, il pourra rien faire. Vous avez autant l'élixir. Donc il a pris un petit avantage de deux coups de cochon. Squelette, ok. Bouh. Ah ouf. Ouais, cochon. Ouais, je pense que c'est ce que t'as le mieux à faire parce que là, dans ses options défensives, il a plus son bourreau pour l'instant et il a Il mini a plus PK. son bourreau. Ouais, et c'est ça. Et il a mini PK, mais mini PK, ça va pas faire si mal que ça. Ça va galérer, en tout cas, ça pourra pas gérer tes gros push. Par contre, je sors Sorciglass qui a pris aggro de la tour, c'est un peu dommage. Et il vient de recycler son bourreau. Mais du coup, à droite, il a rien. Il pourra bûche à la rigueur, Il a mais c'est tout. bûche. Bah, il aura que bûche, ouais. Oh, il a raté! Oh, il Oh, let's tornade. Mais go! Ça, c'est pourquoi? bien, ça, Coco. Parfait. Il est obligé de mettre 5 Pourquoi il a d'Elex. tornade? Mais il voulait garder sa bûche pour la mettre offensivement sur tes gardes, je pense. Ah oui, possible, ouais. Ok, super, il a raté le golem de glace en plus. Nickel. Bon alors, après, il a toujours son cochon, mini PK, etc. Donc il peut toujours te mettre de la pression, genre à base de mini PK, cochon. Mini PK à fond de mer. Il a le cochon en main. Il a le bourreau également qui va poser à gauche. Ah non, à droite. Ouais, golem de glace, ça gère bien les recrues aussi. Ok. À gauche, il connecte, hein, c'est pas mal. Il a toujours son cochon en main. Il joue Sisp ou Rocket aussi, on n'a toujours pas vu le sort qu'il jouait. Ah, ouf. Ouais, bien joué à bûche. Rentre, mini PK. Oh, ce petit bloc! Ce petit bloc de génie. Donc là, il va re-exé Tornade. Il joue séisme. Oh, c'est pas ouf ça. Hein. Ça lui a coûté cher hein, ce séisme. Et à droite, il met tellement cher. Ouais, bien joué le forcing. Hein. C'est vraiment ça que j'allais faire. Oh mon dieu. Ok, il te restera une bûche. S'il faut que tu arrives à def et que tu arrives à mettre une bûche. Ou un coup de mineur, ouais. Et ben voilà! C'est pas mal, hein. T'as réussi vraiment à prendre le Ouais. bon timing pour mettre le taquet de dégâts, c'était hallucinant. Après, je jouais un peu bizarre.
Ouais, déjà son séisme def, bon, je sais pas convaincu, j'étais pas genre. Et ben voilà une carte que t'aimes pas, qui est présente dans tous les Ah, le decks. dragon, souvent tombé dessus. Ah, bah, c'est un golem encore. Ah, ou un. Ah, ok, un golem, ouais, effectivement. Ok, tu vas devoir garder à gauche du coup? Oh, la machine Waouh! qui commence. Et puis le dragon, il a découpé hein, pour l'instant Ouais. là. Les dinos, il n'y aura pas de recru chez moi. Hein. Par contre, s'il reforce MG, je suis pas sûr que c'est un bon play ça. Moi, je suis obligé de défendre. Ouais, ou t'acceptes le coup, mais bon, t'auras que 2 DX de plus, donc je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. Parce que là, il a quoi? Il va. Bûcheron? Golem, ok. Bon, cette fois-ci, il aura rien là. Au pire, il t'en a. Mais je pense qu'il fera rien. Là. Il peut avoir Electro-Dragon dans son deck, mais il avait de toute façon pas l'élixir pour le poser. Hein. Ok, ça tombe. Bon, il nous manque deux cartes. Il a Tornade, quasiment sûr. Et potentiellement, c'est Electro-Dragon, soit Foudre. Mais visuellement, c'est Foudre, hein, plutôt, là-dedans. Il n'est pas parti de tour. Saleté. J'ai l'envie de dragon. Vous avez autant d'Elex. De toute façon, lui, il va pas tarder à poser son golem. Hein. Genre maintenant il va poser je pense. Fond de map. Ok, juste MG et là il pose fond de map son deuxième. C'est bien, hein, ça lui force sa charrette, ça l'arrange pas de faire ça. Super bien joué. Ok, golem posé. Il a même le dragon à droite. Ouais. Je pense aussi. Hein. Yes, exactement. Alors, à gauche, on sait toujours pas, hein, mais je crois qu'il a. Donc, c'est Hydrag. C'est pas foudre, c'est. Là, De toute façon, c'était ça ou foudre, hein, mais. Ouais, du coup, t'es pas bien à gauche. Hein. Ok, cette tornade, ça sert pas à grand chose. Ah, c'est chaud. Il va pouvoir snowball au pont, tu pourras plus rien faire. Hein. non, je peux rien faire. Ah, tu peux plus rien faire là, c'est fini. Ah, bien joué. Hein. Ah, l'Hydrag, il t'a fait trop mal. Hein. Il t'a mis sur Pluton, l'Hydrag. Mais c'est pareil, là, on est Voilà. sur du hard counter en face, non? Ouais, je peux rien faire. Bébé dragon, non, non. Ouais, mais. Ouais, c'est dur en vrai de jouer avec ce deck, c'est dur. Ah, non, c'est Pas sûr. impossible, mais c'est dur. Ah, je suis d'accord. Bah, là, c'était vraiment du hard counter en face en plus, donc tu pouvais rien faire. Hein. Electro-Dragon plus Bébé-Dragon plus Tornade plus Golem, dans tous les cas, il fait ce qu'il veut de toi. Hein. Enfin, je veux dire, tu peux pas Voilà. l'empêcher de passer, il peut def comme il veut. Le bûcheron, il est pas nul non plus. Bah après, c'est comme tout, hein, t'as des match-ups bons, t'en as des moins bons. Bah merci beaucoup en tout cas à toi, Coco, pour ta présentation de deck personnel, maison, hashtag recrue royale. Jouer les recrues royales. C'est une bonne carte, les recrues royales. C'est une carte qui est correcte. Je pense que c'est une carte qui est un petit peu en dessous, je sais pas ce que t'en penses, mais qui a du potentiel, mais qui est peut-être un petit peu. Enfin, pas off méta sans raison en tout cas, mais qui peut faire des gros speed push, qui peut mettre une bonne pression, et bah, justement sur des decks en face qui ont un peu plus de mal à gérer en AOE, qui ont un peu moins de. Qui n'ont pas de bébé dragon par exemple, ça peut être vraiment Ouais. compliqué de réussir à gérer. Tu Mais dis. après la méta, elle est dure la méta. Ouais. Ouais, parce que c'est quoi? C'est bourreau tornade, géant Ouais, squelette, Valkyrie. ouais, trucs comme ça, les Valkyries, les ballons. Bébé dragon. Du dragon, bah ouais, bah ça, lui Ouais, il est. il y a de quoi. Il est méta quoi qu'il arrive, Dragon, il n'y a pas de souci, hein. Il est toujours là, toujours présent. Donc évidemment c'est un peu compliqué, mais comme vous voyez, on peut quand même déjà monter au-dessus de 6400 trophées, on peut faire des bonnes perfs. Enfin, en tout cas, que ça vous arrête pas de jouer ce genre de deck si c'est ce qui vous plaît. En tout cas, jouer par exemple Recrue Royale, c'est quand même une carte commune, qui est facile à monter, qui peut faire des bonnes perfs. Et clairement, c'est une carte qui peut aller prendre des match-ups même contre les meilleurs. En tout cas, merci beaucoup à toi, Coco, hein, de nous avoir présenté bah, ton deck à toi, ta façon de jouer, etc. C'est rafraîchissant, c'est différent de l'habituel, donc ça fait évidemment très plaisir. Il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, évidemment, dans les commentaires. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous.